Située à Villeneuve-d'Ascq, sur le campus Cité Scientifique de l'Université de Lille, la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais propose depuis 2014 une offre de développement professionnel à tous les professeurs des écoles et des collèges de la région. Depuis 5 ans maintenant, elle a dispensé plus de 250 journées de formation à près de 2700 professeurs. Elle est le fruit d'une collaboration étroite entre l'université et le rectorat de l'Académie de Lille. La Maison pour la Science permet de faire se rencontrer justement des enseignants, des formateurs, des chercheurs. Et ça nous permet de croiser nos regards, nos expertises pour être de plus en plus efficaces au niveau des élèves. Comme tous les ans, je consulte le catalogue Maison pour la Science et ça faisait plusieurs années que j'avais repéré cette formation-là. Et on a parlé des micro-organismes et en particulier de leur utilisation au niveau de la fermentation pour le pain. Aujourd'hui, je vais présenter aux professeurs tout ce qui est dégustation du pain, les initier aux bases des arômes, des odeurs, de la texture. Donc, si on peut leur apporter ces connaissances ou leur expliquer un peu les bases de ce qu'on va ensuite enseigner aux élèves. D'une manière générale, je trouve que c'est quelque chose de très constructif. Laboratoire, centre de culture ou industriel, la Maison pour la Science s'appuie sur un réseau de plus de 50 partenaires. La formation d'aujourd'hui s'appelle « À vos signaux préparés ». Comment transmettre l'information, sur quel support, quelles sont les techniques finalement de communication au sens large, jusqu'à les communications d'aujourd'hui. C'est très très concret. On repart avec des activités qu'on peut faire directement avec les élèves. Et aussi, on a un lien avec la recherche et des domaines très très pointus, très très élaborés. On apprend énormément de choses. C'est ça qui me plaît beaucoup, d'être ailleurs que dans une salle de formation classique. Je les ai déjà recommandés. On en a parlé, on en a discuté. On s'est retrouvés à faire la même formation au sein du même collège et qu'on a réinvesti dans nos ateliers scientifiques. Et tout ça, ça enrichit vraiment et ça rend les stages encore plus intéressants parce que plus près de la réalité. Une formation scientifique de haut vol qui permet à ses enseignants de transmettre aux enfants les connaissances nécessaires à la construction du monde de demain.